Salut les gens, c'est Slan, on se retrouve sur CK2 Holy Fury, c'est l'épisode 149 et on approche du but, on vient de déclarer la première des nombreuses guerres que l'on va déclencher contre l'Empire Abbaside à la chaîne. Petit détail par contre, au début, on part avec un gros pourcentage de pertes. Alors c'est peut-être, ça peut être dû, vous voyez, il y avait une guerre ici. Et ça peut être dû à ce genre de choses. En général, quand on part avec un pourcentage aussi négatif au début, c'est souvent qu'il y a des guerres en cours. Alors, c'est même pas forcément contre l'Abbaside. Parce que comme on est en guerre contre tout le monde, si quelqu'un a déjà pris des petites terres quelque part, un peu chez nous, eh ben, voyez par exemple ça. Voilà, c'est peut-être cette guerre-là, tout simplement. Donc là, je pense qu'il doit y avoir une guerre contre eux depuis un moment et qu'ils avaient déjà pris quelques territoires chez nous. Ce qui, bien entendu, du coup, complique la tâche. On va essayer d'aller tous là. Par contre, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à sélectionner les... D'accord. Non, j'arrive plus à sélectionner les troupes, c'est bien dommage. Ça va être un tout petit peu gênant. Faire un petit alt-tab. Hop là. Souvent ça résout le problème. Voilà, ça résout le problème. Hop, allez, faut y aller. Comme d'habitude, faut enchaîner les clics, clics, clics. On est à moins 16. Faut être partout et faut enchaîner. Bonjour. Alors, comme d'habitude, hein, on va. Hop. 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 Ça, c'est pareil, on va la supprimer. Ça, bien qu'elle soit pas dans ma liste. Ouais. La supprimer celle-là. Celle-là, il fait quoi en fait? Ils font pas grand-chose ces deux-là. Là, on en a deux qui ont été prêts. On va retourner les voir dans un jour. Hop. 7 jours. Lui, il est complet. On va passer ici. Comme ça, on fait un petit kill au passage. 6 jours. Et hop. Là, on va prendre celui-là. Là, on va prendre celui-là. Là, on n'y est pas encore. On arrive ici. Voilà, ici. Ah, c'est toujours pas bon là, ils y sont toujours pas. 31% pour l'instant. C'est pas énorme, j'espère un petit peu plus quand même. Le duché de Smaland, bah, c'est très bien. Il a gagné sa guerre. On va essayer de choper lui. Est-ce que là on peut attaquer? On pourrait, mais pas tout de suite. Il faut attendre qu'il y ait plus de monde. Hop. Très bien, c'est très très bien. Là, tu vas venir ici. Ok. Ah, là, on a un truc à prendre. Je sais pas s'il va réussir. Ok, dans 5 jours, on est à 59%, hein, ça avance vite. C'est ça, il faut enchaîner, enchaîner, enchaîner. Parce qu'après, c'est des guerres qu'à la fin, avec le temps, on est sûr de perdre. Hein. On est en guerre contre le reste du monde. Évidemment, ils mettent très longtemps pour amener leur truc. Notre reddition.
Voilà. Très bien. Et donc, les abbassides. On va maintenant, bien entendu, supprimer tout ça. Puisque la plupart des troupes qui sont, comment dirais-je, qui sont des troupes, des levées, je les ai pas mis en territoire ennemi. Et maintenant, on va pas déclarer la guerre parce que nous avons des unités chez lui. Donc on va revenir en arrière et très vite, on va recommencer de façon. Est-ce que j'aurais pas pris que ça là, par hasard? Je me demande si j'ai pas pris des trucs. Tripolitaine. En tout cas, je l'ai pris là le truc sur lequel j'étais là. On est d'accord, hein. Donc on recule. Là. On va faire ça. Ah, lui, il est en train de revenir, c'est très très bon ça. La province d'Africa. Ah! Ah oui, alors attendez, s'il a considéré que j'ai la province d'Africa. Ouais, c'est ça. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à prendre dans la province d'Africa. Et je crois qu'en plus, c'est vrai. Donc c'est bien ça en fait, il me donne les trucs. Il a fallu que je note ceux dont j'avais la truc. Mais bon, je pense que c'est très clair. Il faut continuer. Il va falloir prendre toc toc. Toc toc, alors ça, c'est pas le même ça, hein. Le sultan des Kangos. Alors, le truc du sultan d'Écosse, c'est que, au final, il vit où lui? Il a qui comme vassaux? Nom de Dieu, il est que là, le mec. On va envoyer une. On va envoyer une. Ouais, on va envoyer quelqu'un là-bas quand même. Oh, on ira le faire après, ça. On ira le faire après. On ira le faire après, lui. C'est là, on est chez chez l'Abbasside. On va s'occuper de l'Abbasside. Ça me paraît évident. Hop là. 1, 2, 3. Oh, on a plus de sous. C'est la dèche, c'est la dèche. C'est tellement la dèche. Ça m'embête de renforcer qu'à moitié, quoi. Mais bon, comment je peux faire? Oh là 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 là. C'est tellement dur. C'est mon escorte, hein, je suis quasiment sûr. Hein. Dépense mensuelle. Ça m'énerve, ça. Dépense mensuelle, revenu mensuel. Ils auraient pu détailler quand même. Pourquoi ne pas le faire, hein? Bon, 404, hein. Bah oui, fatalement. Bah, je laisse comme ça, tiens. Jusqu'à ce que ça repasse en positif, par contre. 25. Ah non, 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 non. Là, il y a un problème. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Il faut refaire tous les royaumes avant que ce soit la galère. Je me souviens qu'il en a fait un, l'autre. J'avais complètement oublié depuis hier. Bah go. Allez, on va refaire tout de suite tous les royaumes. Et on va l'embêter, lui, pour lui dire de rendre. Non, parce qu'il va le recréer. On va d'abord refaire les royaumes qu'on doit. Merci. Alors, on y va. Voilà, allez hop, pour faire Aquitania. Hop, maintenant on va refaire Luc de Nancy. Ça, c'est un événement extraordinaire qui peut conduire à la fabrication d'objets extraordinaires. C'est pas du tout comme l'événement faire un gros banquet là ici.
tenir le grand débat. Donc il faut le faire, l'événement en question. Mais alors là, ça tombe vraiment mal pour moi, hein, donc je le fais pas, mais... Et ça s'ouvre Aquitania que je viens de recréer à l'instant. Il est devenu inexistant. On va le chercher. Ah, j'en étais sûr. Je le crois pas. Je viens de le créer. Fichtre. Ah, titulaire, on était sûr. C'est un scandale. Ah, ça y est, les gens ils votent plus pour moi. Ah non, il y a Vasconia. On continue. Ah, ça me ralentit ça. J'aurais voulu enchaîner pendant qu'il n'y avait pas de difficulté pour faire les sièges. Ça va quand même assez vite. Normalement c'est 17 hein. 18 maintenant avec l'Aquitaine. De Tripolitaine, il aurait fallu que je le donne. Oh, ça partira automatiquement quand je concéderai. Je pense. Hein. 19, normalement, j'en ai plus qu'un seul à faire là. Ah, non, Royaume de Byzance, c'est normal. C'était celui d'avant, Lusitania. Ici. Voilà. Bon, on va pouvoir attaquer maintenant. On va quand même d'abord remonter les escortes. Il a déclaré une guerre sainte. Romaine pour Westergeland. Waouh. Westergeland, c'est quoi encore? Bah ouais, ça y est, hein, ça, ils enchaînent. Hein. Ils enchaînent, hop. Ils attaquent pour prendre ça. Hein. Le Saxon, là, il est en train de se faire bouter. Bouter. Et eux, ils montent. Et je suis sûr qu'il y a des guerres pour aller attaquer vers là. Ça va être complètement nettoyé ça dans quelques années. Alors, ça pourrait être intéressant quand même de laisser tourner, de regarder les vassaux prendre le truc. Quoi d'autre? Eh ben on y va. Déclarer la guerre. Je me fiche de l'opinion musulmane. Par contre, je perds 8000 de prestige. Ouais, mais je vais perdre que la moitié à chaque fois. Donc, au final. Alors, Sinaï, est-ce qu'il est dedans? Je pense qu'il est dedans. Hein. Donc, faut que je le prenne. Tout comme celui-là. Voilà, on perd 8000 de prestige. En réalité, je vois pas en quoi on perd du prestige à attaquer les musulmans comme ça. Mais bon. C'est plutôt prestigieux. Bon, lui on n'arrivera pas à le choper. On va le poursuivre quand même, tiens. Là on va là. Là, du coup on va choper celui-ci. Là on pourrait choper celui-là plutôt.
Voilà. Et donc, bah, on va comme d'habitude, on va lever les troupes. Alors, les envoyer au même endroit. Alors, il y a un endroit où on n'a plus besoin de les envoyer, c'est ici, à Tripolitaine. Voilà, hop, les 56K. Et pour une fois, on démarre cette guerre à 0%, ce qui sera donc plus facile. Ah, agitation des nomades, on a pris des terres ici. Excellent, il faudra construire un château. Il a complété le... Je crois que c'est le duché, dit-il. De mémoire. Allez, hop là. Hop là. Ah oui. Hop là. Les nouvelles de la Chine, on s'en tape. Ça aurait pu être intéressant d'aller les conquérir, ceci dit. Mais... Comment est-ce qu'on fait pour conquérir la Chine? Déclarer la guerre. Ouais, mais faut lancer une invasion, je sais plus comment on fait. Je ne sais plus comment faire pour lancer une invasion, faudra que je regarde. On est pas mal, on arrive ici. On va ici. Pareil, là on va tout prendre. Là il va pas tarder à me donner son truc. Voilà, hop. Voilà, bon bah voilà. Allez hop. Allez, parti. Et on se replie et on recommence. Et on va reperdre la moitié de notre prestige, bien entendu. Ce dont on se fiche complètement. Parce que de toute façon, nous sommes les plus prêts. Ah, vassalisation de Menton. D'accord, parce qu'il était indépendant le bourgmestre machin. Oui, mais tout à fait. Il était indépendant. Ben, il va pas le rester longtemps. Je pense que ça va être réglé. Il y a des guerres dans tous les sens. Faut faire le château, donc on va à nouveau supprimer les escorts. Et oui, ici, on va virer Sinaï. Du coup, Sinaï, on l'a pris même sans aller le prendre, hein, c'est bien ça. Hein. Tout à fait, on vient Sinaï. Voilà, ça devient de plus en plus propre. En même temps, on a notre liste comme ça. Ah, la province d'Égypte. Et il nous les donne. Hein. Alors, ça correspond à quoi ces provinces hein? Ouais, c'est ça. Hein. Égypte, Maghreb. Après, là, je sais pas. Maintenant, on va faire celle-là, il va nous dire la Syrie. Hein, on va faire celui-là. Et après, on va faire celui-là. Ouais. Parce que celui-là, c'est dedans, hein, donc on en a deux là. Clac, clac. Et en tout cas, ça me confirme que je suis sur la bonne voie. Deuxième guerre persane pour Khorasan. Et c'est reparti. Ah, l'autre, ça y est, il s'est soumis déjà. C'est quoi ça? Non, les troupes là, vous pouvez vous ranger là. Hop là. On est bon. Déclaration de guerre. Ouais, je repère 4000, donc voilà, on s'en tape. Et les moins 25, bah c'est un moins 40 000 contre les musulmans. That's life, hein. Donc on a dit que c'était Arbide. Agordat. Non. C'est quoi ça? Irbid. Voilà. C'est parti. Oh bah rien de bien méchant, hein.
On tape. Tiens, apparemment, celui-là, il va là. Et donc, celui-là, il va aller là. Après, il faudra que je fasse ma régène quand même. Parce que vous voyez, ils sont à 10 000. Hein, ils sont plus à 13 000. Ah, j'étais un peu loin là. C'est la vie. Bon, on va lever les troupes au corps, même si selon moi, c'est pas nécessaire à chaque fois. Je pense que ça va couler à chaque fois là, tranquillement. Là. C'est un bon présage. Par contre, ouais, je vais renforcer à nouveau. Je vais aller voir si je peux faire mon château là. Un château, voilà. On va le laisser. Et maintenant, ouais, je remonte quand même la maintenance. On va mettre à 50%, mais il faut quand même qu'elle soit un petit peu remontée. Voilà, c'est parti. Ah. En plus, si on enchaîne, c'est toujours les mêmes, donc ils ont vraiment pas le temps. On va envoyer de l'argent à la lituanienne. Hop. Toi, t'y es pas encore. Mais oui, je sais bien que tu vas bien le dépenser, mon argent. Tu l'as dépensé à chaque fois. À chaque fois, il a été dépensé, l'argent. Il n'y a aucun doute sur le fait que tu dépenses l'argent. Je n'ai pas d'inquiétude à ce propos-là. Le pire, c'est que tout ça, c'est dépensé en banquet. À la vie de ces tribaux, là, ces barbares. Salut, les gars, vous avez vu. Mange bien et tout. C'est pas pour convaincre de la foi romaine et tout ça, hein, c'est pour parler. Et là après, elle commence à parler de l'Empire romain, patati, patata, qui sont drôlement sympas en fait. Tout ce qu'ils demandent, c'est qu'on se convertisse, mais au final, c'est plus ou moins les mêmes choses, hein, Dieu en vaut bien un autre. Et les autres, pendant qu'ils bouffent, ben, ils cessent de convaincre. Hein. Pas terrible, on n'avance pas assez vite. Voilà, ça serait bien qu'on puisse prendre. C'est pas pour tout de suite. Là non plus. Là peut-être. C'est long, c'est très long le pommier. C'est très très long. Ça sera toi le premier peut-être? Ouais. Allez, propose-moi la paix. T'es à 64% normalement pour un... Pour une petite mosquée ou un truc comme ça, il accepte souvent à 66%, donc je pense que je vais recevoir la paix officielle dans quelques secondes. Mais en attendant, je te lessive. Alors, là tu vas aller là. Voilà, ça y est, la voilà. Mosquée de paix là. Merci. Bah tu retournes là-bas. On recommence. Est-ce que j'avais levé les troupes ce coup-ci? Ouais, je les avais levées. C'est bien. Ça l'encourage de toute façon à céder. Est-ce que j'ai 11K d'or là? Ah voilà, vous voyez Syria Palestina. On l'a eu. Est-ce que j'ai 11K d'or? Comment j'ai fait pour avoir 11K d'or? J'ai hérité d'un mec qui avait 11K. Et puis, c'était même pas un proconsul ou un truc comme ça. Oh, c'est moche là. Ils sont en train de tout massacrer là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est même pas chez nous. C'est même pas chez nous. L'Empire romain, ça y est, il a touché le bord. J'hallucine tellement ils sont balèzes. Et là, ça a été pris? Pas encore. Ça va. Roma. Roma, il a 20 000. Roma, il se sent plus. Hein. C'est lui qui va chercher tout ça là-haut. Bon, eh bien écoutez, on va continuer. Hein. Toc, toc, toc. Par contre, j'ai une pyramide à relancer là pour le coup. Hein. Désolé, mais... Hop. On va vers le niveau 3. Oh, t'as converti quelque chose. Nom de Dieu. Bah continue, continue, continue. Oui, je sais qu'il fait rien. Je viens de cliquer moi-même. Elle hop ici. Bon, on va relancer tout ça. Alors, jardin de Gallipoli, il est fini. Hein. Bibliothèque de traces, c'est fini. On n'a plus que deux.
Et hop, alors si vous avez envie que je fasse un dernier monument, faut pas hésiter à me le dire. Faut pas hésiter à me le dire. Grand temple, statue dirigeant. Apparemment, les grandes forteresses, on peut en faire plusieurs. Grande muraille, grand amphithéâtre. Palais royal, magnifique jardin, je crois que j'en ai déjà un. Grande université. Est-ce que j'ai une grande université? Non, j'ai une bibliothèque. Peut-être une grande université, ça pourrait être sympa. Grand mausolée. Grand cercle de pierre, voilà. Alors là, on va booster du coup les escortes. Hein. On va remonter très vite. Dans les réunions, là, on va virer Herbide. C'était Al-Najaf. Non. C'était Irbid. Mais il était peut-être pas dedans. Hein. Parfait. Et toi? Tu arrives là? Hop là, c'est la guerre. Déclarer la guerre. Ah, les gens me détestent. Je repère du prestige. Patati patata. Alors. Niebla. Non. Massawa, Majorque, Cordoue, Burgos, Armagnac, Anajov. Voilà. On en a encore des trucs à prendre, c'est fou quoi. Allez hop. Ah bah. On va enchaîner hein. Faut pas rêver hein. Trouve un texte des hermétistes, oui, on sait jamais, des fois qu'ils nous demandent d'aller à Alexandrie. Bah ah, ça m'embête un peu, mais bon. La tablette d'émeraude, c'est la tablette d'émeraude, quoi. C'est une légende. Je crois que j'ai vendu la mienne. On peut la retrouver. Il y en a peut-être deux, des tablettes d'émeraude. Ok, là, on est bon. Là. C'est parti. Là. C'est parti. Là. C'est pas parti. Hop. 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 Bah, il faut pas leur laisser le temps hein, en fait. Hein. Pas plus compliqué que ça, il a jamais le temps de faire face aux escortes. Hein. C'est l'intérêt des escortes, hein, c'est que vous n'êtes pas obligé de les démobiliser. Alors évidemment, ça m'a coûté plus qu'un bras, bien plus qu'un bras pendant toute la partie. Et voilà, voilà ce que ça permet de faire. Ça permet de chain les guerres. Évidemment, au prix de nous ruiner, vous voyez. On gagne 400 par mois, on arrive à perdre 400 par mois, quoi. Là, on perd rien, hein, en toute logique. Qu'on gagne plus d'argent et qu'on est en faillite. Alors quand vous êtes en faillite, vous avez un délai pendant lequel il vous arrive pas de misère, qui dépend de votre intendance en fait. C'est même pas une somme, c'est un délai. Alors 59, tu vas pas tarder à commencer à me proposer ta paix là. Là c'est de la bataille. Là c'est la bataille. Le mec c'est ses armées de la guerre d'avant qu'il est en train de ramener là. Allez, 73, tu peux céder quand tu veux. Dès que t'as un diplomate de libre. Voilà. Là tu peux pas. Encore un enfant, ça c'est chouette. Alors pourquoi il cède pas ce coup-ci? Ça y est, hop là. Ben voilà. Voilà, voilà. Ah, on n'a pas eu cette... On n'a pas eu cet endroit, Al-Najaf. C'est qu'il y en a un autre pas loin.
Je sais pas, on verra dans la prochaine guerre qu'on va déclencher pour un autre endroit, encore une fois. Mais on va la déclencher demain. Bon, vous avez vu, on est bien parti là, quand même. Hein. Maintenant, on enchaîne. On est dedans. On est dans le move. Bah, apparemment, on a fini l'Égypte. On a fini l'Afrique, je pense que c'est ça. Maghreb aussi, je crois qu'à un moment, on a eu un truc qui nous le disait. Je crois qu'ici, on a ça à aller choper, là. Contre le... Voilà, les jambes du king. On a un truc à aller leur prendre. Il faudra ramener une de nos escortes quand on aura complètement fini l'Abbaside. Voilà. Après, on n'est pas obligé de faire du score de guerre contre l'Abbaside pour. On n'est pas obligé de faire du score de guerre contre les jambes vikings pour battre les jambes vikings. Hein. Mais ils cèdent plutôt si c'est ces territoires qui sont envahis, bien entendu. Sinon, il faut attendre presque 100%. Ce qui arrive peu après, ceci dit. Voilà, voilà, 18, c'est parfait. Là, on est tout bon, normalement. Là, oui, j'ai oublié d'aller lui retirer le... Il a un titre de trop, lui, là. Et... Non. Proconsulat d'Anatolia. Qui est-ce qui s'est octroyé un titre? C'est pas lui? C'est ça, Regnum de Austrasie. On va lui révoquer son titre. Alors, on le fera après. On le fera après. D'ailleurs, à la fin. On va lui laisser pour l'instant. Pourquoi? Bah parce que je préfère avoir l'achievement et puis après faire une guerre contre lui. Parce que là, si je dois faire une guerre contre lui, ça veut dire ramener toutes mes escortes à l'autre bout du monde. Donc, je le ferai quand j'aurai mes escortes, en fait, qui seront chez lui, quoi. Comme ça, s'il n'est pas content, paf. Allez, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à tout de suite pour la suite.